J'ai dit les amis, aujourd'hui je vais enfin demander ma copine en mariage. Les gars, ça fait tellement longtemps que je suis avec elle, et après tout ce qu'on a vécu, je pense que c'est le bon moment. Bien sûr, vous pouvez me soutenir en mettant le code GUGU, G-U-G-U, dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Likez cette vidéo en balle, abonnez-vous, mettez la cloche et suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. Les amis, mon dernier clip Gangbang est sorti sur ma chaîne musique Mana, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous alliez le voir. Le lien est en première ligne de description, et vous pouvez aussi aller l'écouter en streaming sur toutes les plateformes avec le deuxième lien en description. Voilà, merci à tous pour la force que vous me donnez, ça me fait extrêmement plaisir tous les jours. Mais je sais qu'on peut faire mieux, donc faites-moi péter ce clip et faites-moi péter ce son. Je compte sur vous. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la vidéo. Gogol, Gogol, j'ai un truc de super important à te dire. Je vais demander Camille en mariage. Quoi? Mais c'est super ça, je suis super content pour vous. Ouais, ça va être un truc de ouf, vraiment. Je vais prévoir une énorme fête, des trucs de fou, des tas d'invités, ça va être trop bien. Bah, j'espère que t'as au moins prévu quelque chose de spécial pour lui annoncer. Ah oui, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Je voulais voir si tu pouvais garder le restaurant aujourd'hui, parce que je vais l'emmener dans un autre pays. Je vais l'emmener en France. La France? Mais j'ai toujours rêvé d'y aller, tu peux m'emmener aussi. Bah, une prochaine fois, t'inquiète pas, une prochaine fois. On ira entre, hein, entre refs. Mais là, aujourd'hui, c'est entre Camille et moi, ça va être une petite sortie en amoureux. Tu comprends, ça va être pour la demande en mariage, quoi. Donc là, on va à l'aéroport tout à l'heure, je vais appeler un taxi et tout. Et on va prendre un vol pour aller directement dans un de ses châteaux préférés de France. Et voilà, j'espère que ça va lui plaire en tout cas. Bah, si t'as moyen de garder le restaurant pour moi, ce serait super cool. Bah ouais, t'inquiète, pas de problème, c'est bien normal. Je suis Gogol la bonne poire. Oh, allez, ça va, c'est bon, je t'emmènerai, je t'ai dit, t'inquiète. Bon, moi, il faut que j'aille la prévenir. Je te laisse occuper du restaurant, hein. Je te fais confiance, pas de bêtises. Bah non, t'inquiète, tu me connais. Ouais, justement. Camille? Oui? Oh, Camille. Oh, ma petite glace. Écoute, il faut que tu prépares tes bagages. Pourquoi? Non, me dis pas que la ville va être détruite encore par notre petit dino. Non, t'inquiète pas, cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Ok. Je vais t'emmener quelque part, d'accord? Ouais, où ça? Bah, je te dis pas, c'est une surprise. Et voilà, prépare tes bagages, j'appelle un taxi, d'accord? C'est trop chou. Ok, d'accord, je vais tout préparer. Ok, vas-y. Je te fais confiance. Je suis trop contente. Oh là 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 là, ça va être incroyable. J'espère que ça va lui faire plaisir. Bien sûr, pour ça, les gars, soutenez-moi un max en mettant le code GUGU. J'ai eu dans la boutique de Fortnite. Hein, ça me ferait super plaisir pour me soutenir dans tout ce projet-là. Ça va être incroyable. Bon, je vais appeler un taxi, moi, en attendant. Oui, bonjour. J'aimerais un taxi disponible pour aller de Connect Crossroad à l'aéroport, s'il vous plaît. Ouais. Maintenant, le plus vite possible. Ok, super. Merci beaucoup. Ouais. Je vous attends. Ok, bon, les gars, là, normalement, il y a un taxi qui devrait arriver dans pas longtemps. Camille est en train de faire ses bagages, tout se goupille parfaitement. Les gars, j'ai vraiment hâte d'aller à l'aéroport, ça va être incroyable. Ça fait tellement longtemps en plus que je suis pas parti. Donc là, en plus, partir avec Camille. Ok. Oh, taxi qui arrive, c'est parfait. Bonjour, attendez là, il y a ma copine qui prépare ses bagages, on arrive. Camille, c'est bon, t'es prête? Oui, je suis prête, je ferme mon magasin. Ok. Eh bah, écoute, le taxi va nous emmener, les dames d'abord, hein. C'est adorable. Ok. Eh bah, vous savez où vous devez aller, hein, monsieur le chauffeur, hein. C'est parti, tout droit. Oui. En avant. Bon, écoute, c'est une petite surprise que je voulais te faire, Camille, donc voilà, j'espère que ça va te plaire. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. J'aime trop les surprises. Moi aussi, j'adore les faire. J'espère que tu vas pas être déçu. Ah bah non. Oh bah, venant de moi, non, jamais. Bon bah merci beaucoup en tout cas monsieur le taxi, bah voilà la monnaie, et bah c'est parfait, voilà. C'était pas si long que ça le trajet en fait. On est à l'aéroport? Bah ouais, en fait c'est un peu ça la surprise que je voulais te faire, on est à l'aéroport, donc en fait je t'ai prévu une visite guidée de l'aéroport, voilà. Ah, cool, hâte de le visiter. Ouais, ça va être trop énorme, mais c'est évidemment qu'on va partir quelque part, évidemment. Non, ok, je voulais pas faire la rageuse. Non, t'inquiète pas. Non, mais ça aurait été normal. En même temps, imagine, on t'emmène à l'aéroport juste pour visiter l'aéroport. C'est vraiment naze. C'est le pire truc à visiter au monde. Par contre, non, en fait, celui-là, il est cool à visiter quand même parce qu'il est vachement beau. J'avoue, en fait. C'est vrai qu'on était jamais venu à l'aéroport. Moi, j'étais jamais venu depuis qu'il l'avait construit. Non, moi, j'ai jamais bougé de ma petite station essence, sauf pour te rejoindre. Pour mon plus grand plaisir. À ton avis, où est-ce qu'on va? Allez, essaye de deviner. Et je te le dirai pas, mais essaye de deviner. On va à Hawaï, au soleil. Non, pas vraiment. Ok, dans le froid alors? Non, pas non plus. Non. Mais t'as une petite glace, tu peux pas avoir trop chaud. Non, mais t'inquiète pas, c'est pour ça qu'on va pas à Hawaï d'ailleurs. T'inquiète pas, ça. Okay. À Paris, comme ça, moite. Ah, c'est pas loin de Paris. Bref, c'est très proche, mais t'inquiète pas. Ok. De toute façon, t'es trop nul en devinette, voilà. Hein. Ok, alors attendez, parce que là, il est quelle heure? Il est 15h. Oh, mais y a bientôt notre avion qui décolle, vite, il faut que tu viennes. Ah, quoi?
Il faut vite que tu viennes, on se dépêche. Je vais pas être en retard. Ok, bon ça va, de toute façon, je pense que tout le monde est rendu près de l'avion parce que là, y'a plus personne. Oh là là, mais c'est trop stressant. C'était le seul vol aujourd'hui. Vraiment pas contre nous, pourquoi? Non, mais toi, cours, c'est toi qui as la traîne. Ah, c'est bon, c'est là-bas, y'a des gens qui attendent. C'est là-bas. Ah, mais attends, y'a des trucs en duty free là. Mais on a pas le temps en duty free. Okay, attends, fais voir, y'a des super casquettes. T'as vu? Eh, quand même, hein. Oh, y'a des colliers. Oui, pardon. Allez, on y va. Soit y'a même pas de vendeur, c'est quoi ça? C'est quoi cet aéroport? Ok, c'est bon, fais la queue. Ça y est. Oh là, regarde, y'a notre avion là-bas, regarde, y'a notre avion. On est tout derrière. Ah oui, bah en même temps, on arrive en dernier. Ok, ça va, ça a l'air d'avancer quand même plutôt rapidement. Bon, t'as pris tes bagages comme je t'avais dit, hein. Tu les as pas pris? Comment ça? Bon, t'as pas pris les bagages? Bah, je pensais qu'ils venaient les chercher à la maison. Mais toi, tu te crois sur un nuage, toi. Bon, ouais, non, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas retourner les chercher, ça va être bientôt notre tour. Ok, petite glace fondante. C'est toi qui me fais fondre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, en fait, on avait deux billets pour vous savez où. Voilà, oui, il reste bien de la place. Ouais, vous m'avez quand même fait vachement peur. Bah écoutez, on peut rentrer. Ouais, bah super, sûr. Merci, oui. vous êtes un peu étrange. Ok, bon, j'espère qu'on a des bonnes places. Et bon vol. Je crois que je nous ai pris une petite classe à faire. Et oh. Hop là, nous on a les beaux sièges, On est tous seuls en plus. Ah, on a des télés. Moi je vais du côté de la fenêtre. Va du côté de la fenêtre là-bas alors. Ok. Ouais, c'est ça, bah je te boude. Ouais, monsieur, voilà. Eh madame. C'est bon, t'es contente? Ta place, oui. côté hublot. Bon alors, toujours aucune idée de là où on va? Aucune. Moi ça me va, quand les surprises se déroulent comme prévu, moi ça me va. J'aime trop. Tes doigts on dirait des frites. Mes doigts on dirait des frites, t'as dit? Mais tu veux te battre avec moi? Non, viens, on va en vacances. C'est pas possible, tu veux te battre avec moi en fait. Y'a combien de temps de vol? Pour 3-4 heures. Bon bah je vais faire une petite sieste. Moi aussi. À tout à l'heure. Bisous. Eh bah, c'était épuisant quand même ce vol, hein, même si on a fait que dormir. Heureusement qu'on était tous seuls. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, apparemment, il y en a aucun qui est descendu avec nous. Bah, écoute, c'est tant mieux, hein, on a notre petit endroit pour nous tout seuls, hein, en amour. Très content, ça va nous faire du bien. Je suis trop contente, t'as eu une super idée. Avec tout ce qui s'est passé là, en plus avec la copine de Spider-Man et tout récemment, il s'est passé pas mal de trucs. De toute façon, j'ai laissé Croque-Mou à Coco et devrait bien se passer normalement. Il va bien s'en occuper, ouais, il l'aime bien. Alors, bah, il serait temps quand même que je te montre là où je t'ai emmené. Oui, bah, j'ai trop hâte de découvrir. Que je sais que t'es une grande fan de châteaux et de tout ce qui est beaux monuments français. Ah, trop bien! Suis-moi, je vais te montrer un petit peu là où je t'ai emmené. Wouh! Regarde ça! Ah, c'est trop beau, mais comment tu sais que j'aime tellement ça? T'es trop fort, comment tu savais ça? Bah, t'arrêtais pas de m'en parler, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah c'est là que je vais l'emmener en fait, y'a juste pas d'autre endroit. Ah, t'es trop mignon! En plus, tu vas pas fondre ici. Non, au moins ici, y'a un climat assez cool, même si le soleil me fait un peu peur, ça va. Ok, bah écoute, je te laisse avancer, hein. Vas-y, découvre, hein. Tout ça, c'est pour toi. Tu l'as privatisé? Ouais, de fou, j'ai trop les moyens de privatiser du château. T'es trop fort, mon petit vendeur de glace. Je sais que tu deals en vrai. Ouais, je deal de la glace. Tu deals de la popo. Waouh. Oh, c'est immense, mais ça va nous prendre des heures à visiter. Et bah de toute façon, on peut rester ici quelques jours, c'est nos vacances. On est bien, avec un beau soleil, tout est bien, la météo et tout est cool. Et regarde la vue qu'on a. Waouh, c'est incroyable. Bon, faut pas que je glisse. Faut juste pas que je glisse. Me pousse pas. J'ai eu envie de te pousser. Me pousse pas. Oh attends, viens, on va faire un truc. Quoi? Comment elle s'appelle déjà? Bah je m'appelle Camille. Mais non. Comment s'appelle la meuf dans Titanic déjà? Ah, Rose. Ah, Rose, je suis le maître du monde. Ah, Jack. Oh, Jack. Oh, tu le fais bien. Et oui. Oh, purée. Je suis le maître du monde. Tiens, regarde, tu veux que j'embellisse le paysage? Ouais. Salut poupée. Oh, oh j'ai failli glisser. J'ai peur. Alors poupée, ça dit quoi ici là? Je devais te dire. Mais reviens, reviens, j'ai un truc important à te dire. Je dois te dire certaines choses, d'accord? Oh, ok. Écoute, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on est ensemble, toi et moi. Oui, j'aime bien. C'est sympa. Ah hein. Oh, bah oui, c'est sympa. On s'y plaît bien. On s'y plaît bien dans cette relation. Waouh. Et du coup, on a vécu beaucoup de choses. En vrai, on a vécu tellement de choses que certains couples ne pourraient même pas se relever de tout ce qui s'est passé. Ah, c'est clair, j'aurais jamais cru vivre ça en une vie. Mais tu m'as déjà dit qu'on s'est déjà dit qu'on s'aime. Ça va? T'as l'air d'avoir peur. Non. Rassure-toi, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Y a pas va pas me quitter pour MJ quand même. Non, est-ce que je t'aurais emmené ici si j'avais voulu te quitter? Non. Si je t'ai emmené ici, Camille, c'est pour te dire que tu es l'élu de mon cœur. Et que j'aimerais que ça dure toute la vie. C'est pour ça que je voudrais te demander, est-ce que tu veux m'épouser? Ah,
t'es trop chou. En fait... Mais les gens, ils disent oui. Les gens, ils disent oui directement. Attends. Quand on demande, les gens, ils disent oui, sans réfléchir. Ils pleurent et ils mettent les mains devant leur bouche. Ils font, oui, je le veux. Pourquoi tu fais pas ça? Attends, je vais recommencer. T'étais peut-être pas prête. Camille, est-ce que tu veux m'épouser? On doit parler avant. Je suis super contente. Non, mais t'as pas compris. Il faudrait que tu rencontres mes parents avant. T'as jamais rencontré mes vrais parents, c'était un alien. Ouais. Mais on s'en fiche, non? Je t'aime énormément et je veux me marier avec toi, mais je veux d'abord que tu rencontres mes parents. Ça te fait pas trop de peine? Je suis désolée, tu m'avais emmené là pour ça. Mais... Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oh, mon cœur, reviens! Il est fou! Bah, ça va, t'es pas trop loin. Je suis sur un arbre, laisse-moi tranquille. Tu peux venir te voir? Non. Mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On va rencontrer mes... Attends, d'abord, on va profiter de ce super week-end que tu m'as offert. Merci, vraiment, personne n'avait jamais eu une attention comme ça pour moi. Et on va aller rencontrer mes parents, et ensuite, on va se marier, si t'es toujours d'accord. Mais il faut vraiment que tu rencontres tes parents, parce que déjà, ton faux père, là, il faisait super peur. T'as juste peur, en fait. Mais c'était un alien. Mais c'est pas des aliens, mes parents. Ok, d'accord. Okay. Ça me ferait vraiment plaisir. Ok, bon, bah, écoute, si c'est pour toi, si c'est pour gagner ta main auprès de tes parents, je le ferai, je le ferai. Oh, ça me fait vraiment super plaisir, ça me touche. Bah écoutez, en tout cas à tous les abonnés, bah on va profiter de notre week-end. Et bien sûr, mettez le code Gugu pour me soutenir dans cette épreuve qui va être de rencontrer ses parents, les amis. C'est la prochaine étape, rencontrer les vrais parents de Camille. Et bien sûr, bah pour ça, likez aussi la vidéo à fond. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche. Et suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. À très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut. Salut.